difficulté après difficulté, sur plus de 8 ans de recherche et développement, on est arrivé à créer cette technologie du premier robot pizzaïolo au monde, entièrement autonome. On a un taux de disponibilité de la technologie d'environ 96 à 97%. On est en train de fiabiliser pour avoir une technologie zéro panne. Et on a donc des ingénieurs qui travaillent à distance, qui peuvent prendre le contrôle avec des caméras et qui peuvent, au besoin, corriger le robot, si besoin, pour assurer la continuité du service. Aujourd'hui, on fait une très bonne pizza, mais on cherche encore à l'améliorer. On ne s'arrête pas là, quoi. Ce qui est difficile, c'est la pâte, parce que la pâte, elle est vivante. On ne travaille pas avec une pâte surgelée. C'est une pâte vraiment... la machine doit s'adapter en permanence à l'évolution de la pâte. Chaque heure qui passe, la pâte, elle est différente. Et donc, il a fallu qu'on donne les moyens aux robots de se débrouiller seuls pour faire ces correctifs. Et certains pizzaïolos n'y arrivent même pas eux-mêmes, quoi.